avant toute chose, eh bien, vous aurez réalisé qu'il y a plusieurs choses qui ont changé. Non seulement il faudrait tous être en quarantaine, mm-hmm. mais Nao, on est dans un nouveau studio. Oui, vous avez bien vu. Vous n'avez pas besoin de lunettes, on a changé de place. On a décidé qu'on quittait ma maman, hein, qu'on laissait son salon à elle, parce que là, un moment donné... Puis elle était bien contente. Ouais, vraiment. Fait qu'on est ici maintenant, j'espère que vous aimez. Oui, mais là, on fait des podcasts. On est là, nous autres. On fait comme si de rien n'était. On fait du contenu puis tout. On vit pas dans un igloo. Non. On est au courant du coronavirus. On se dit par contre qu'au moins, si jamais on est tous enfermés chez nous, ben, on aura du contenu à vous poster en ligne. Ben oui, vous allez pouvoir vous divertir en nous écoutant un peu. Voilà, quand vous aurez rien d'autre à faire. Comment tu vis le coronavirus? Je le vis pas, je pense. je suis ambiguë. Comme, je sais pas si j'ai peur ou non. J'ai comme peur des réactions en ce moment de la population. Mais en même temps, tu sais, s'ils ferment tout, comme s'ils ferment les écoles et tout, c'est parce que ça doit être important. Mais tu sais, dans ma tête, j'ai encore l'impression que c'est juste une petite grippe. Clairement, je pense que c'est sérieux, là. Mais mettons, on dirait que si je l'attrape demain matin, je sais que je mourrai pas. Je sais pas de quelle source non fiable je tiens ça. Moi, je pense que c'est le déni, c'est ça, ta source. Mais il y a juste une chose, par contre, que je comprends pas. Puis mm-hmm. je sais pas si c'est une réponse, parce que je sais pas si il me manque une information ou j'ai pas lu quelque chose, ou il y a du monde qui savent des choses que je ne sais pas. Mais pourquoi il faut que j'aille acheter du papier de toilette? Parce que si c'est la solution, je suis dans la merde. Ben, j'en ai pas. Dans tous les cas. Oui. Dans tous les cas, je suis dans la merde. Je sais pas. Je saurais pas quoi dire par rapport à ça. Moi non plus, je suis pas au courant. Puis moi non plus, j'en ai pas acheté. J'étais allée à mon épicerie du coin. Mm-hmm. Puis j'ai remarqué qu'il y en avait plus, effectivement. Puis j'ai remarqué aussi que, à ce qui paraît, les prix des épiceries où il y en a, ça a augmenté, ouais. Je sais pas si c'est pour comme... C'est donc bien intelligent. C'est fou. Mais je me dis, c'est peut-être pour éviter que les gens n'achètent trop ou pour en profiter. Ben oui, c'est pour en profiter, arrête-moi ça. Mais je comprends pas. Je me dis, c'est sûrement l'offre et la demande, là. Genre, il y en a plus, fait que là, tout le monde en veut, là. C'est sûr, c'est ça. Tout le monde est comme toi, tout le monde s'est dit... Moi, je vais attendre. Il y a une information... Il y a une information qu'on n'a pas, fait qu'il faut en acheter, tu comprends? Ouais. Si tout le monde en achète, c'est parce que... Oui, mais c'est correct, je veux dire, c'est correct de se préparer, t'achètes comme un paquet, tu sais, au pire deux paquets, là, un de plus, mais genre 40 paquets, à un moment donné, comme... Mais non, mais... Chill, Bob, chill! Je veux dire, à un moment donné, il y a d'autres alternatives, là. Comme le bidet, les serviettes mouillées, les Kleenex. Ben oui, dans les années 1800, là, je sais pas s'il y avait du papier de toilette dans les années 1800, mais je dirais, dans les années de Jésus, il y avait pas de papier de toilette, puis tout le monde se portait très bien. Il y a là. Des feuilles dehors qui vont recommencer à pousser un jour. Mais non, mais c'est ça, là, il y a personne qui est mort parce qu'il y avait pas de papier de toilette, là. Bon, cela dit. C'est pas le sujet, non, là. Le thème d'aujourd'hui, on vous a pas invité un docteur, c'est pas ça du tout. Non. Le thème aujourd'hui, parce qu'une chose n'attend pas l'autre, là, oui. Je veux dire, on est là à avoir une discussion, je m'en allais dire scientifique, mais pas du tout. Loin de là, même. Sur le coronavirus, puis mm-hmm. je veux dire, on aurait pas eu ça, là, comme discussion, il y a comme 20 ans de ça, on aurait plus fait comme gaga, gogo, gaga. Oui, exactement. En tant que des enfants. Oui. Donc aujourd'hui, on va parler de la vie d'adulte. Oui. Parce que ça, c'est une conversation d'adulte qu'on vient d'avoir. Parce qu'on réalise à un moment donné que dans la vie, il y a des trucs qui changent. Hein? Oui. Puis on l'aurait pas vécu, ça. Non. Là, maintenant, on le vit différemment, probablement, que les enfants qui ont pas d'école puis qui trippent, là, tu sais. Ils trippent. Moi, j'ai pas d'école puis je trippe quand même. Oui. Mais moi, je suis consciente que ça va débouler, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce que tu travailles aussi. Oui, c'est ça. Fait que t'as comme les deux côtés de la médaille. J'ai pas congé. Mais bon, avant toute chose, je veux commencer en vous donnant des petites statistiques, parce que Corinne, c'est le cerveau du groupe. Oui. Puis moi, on me faisait pas confiance. Fait qu'on a dit, garde, le cerveau va s'occuper des statistiques. Fait que si c'est pas bon, c'est elle qu'il faut chicaner, pas moi. Alors, j'y vais comme cela. OK. Tu vas capoter, OK? J'ai fait des recherches, évidemment, parce que je sors pas ça juste de même, là. Ah non? Non. Okay. 50% des adultes au Québec, OK, mm-hmm. qui travaillent, se disent malheureux dans leur travail. 50%! Un sur deux, la moitié. Fait que soit toi, soit moi. Oui. On va être malheureux au travail. Ouais. Un adulte sur deux. C'est énorme. Fou, hein? Mais le pire dans tout ça, c'est que 43% du 50% qui se disent malheureux ne considèrent pas changer d'emploi dans les prochains mois. Ah ouais. Ouais. Je sais pas si c'est comme par paresse de pas vouloir recommencer. Payant, là. Peut-être que c'est payant. Mm-hmm. Peut-être que, je sais pas, ils ont pas le temps, ils ont des enfants, peu importe, ils ont pas le temps de retourner aux études. C'est vrai que ça aussi, tu sais, pour nous, comme on n'a pas justement une maison à payer, puis on n'a pas des enfants. Ouais. Mais quand t'as des enfants, puis tout ça, t'as pas le temps nécessairement de repartir une nouvelle job, puis de peut-être comme non, avoir de la difficulté pendant un mois ou deux, genre, ou deux, tu peux pas te permettre ça. Là, t'as pas la marge de manœuvre que nous, on a, là. Il y a mon père qui est comme « branche-toi, calvaire! » Mais je veux dire, quand t'as des enfants qui ont la bouche ouverte puis qui ont faim, tu peux pas faire ça, là. Dans le fond, tes enfants, c'est des oiseaux, c'est ça. Ils ont la bouche ouverte. Canaries. Non, non. Autre statistique,
42% des jeunes, entre, ben, des jeunes adultes, entre 20 et 29 ans au Québec actuellement, habitent encore chez leurs parents. Dont toi et moi, là. Je veux dire, oui, on participe ouais. à ça. Ben, moi, je suis revenue. Ouais. Non, c'est ça. C'est soit des jeunes qui sont revenus ouais. ou qui ont jamais quitté le domicile familial, qui vivent chez leurs parents. Mais on dirait que ça me surprend pas tant. Parce que je me dis, tu sais, maintenant, on va à l'école, on change. Tu sais, il y a plus personne, là, qui. Ben. Il y en a, là, les quelques personnes rares. Manifestez-vous si jamais c'est vous qui a fait comme cégep en 2 ans puis ouais. université dans le temps requis pour leur programme d'études. Là. Mais c'est rare aussi ceux qui décident d'un emploi puis qui le maintiennent jusqu'à la fin de leur vie. Ben, c'est ça. Mais je veux dire, ça me surprend pas tant que les gens restent aussi longtemps chez les parents parce que t'as pas la stabilité financière, t'as pas ton travail de vie. Mm-hmm. Fait que, tu sais, tant qu'à changer de programme puis tout, comme... On a comme plus de latitude et c'est prouvé par des chiffres parce que je vous ai dit que 42% des gens entre 20 et 29 ans habitent mm-hmm. encore chez leurs parents. En 1981, c'était 26%. C'est beaucoup, ouais, là. Mais c'est parce qu'à 16 ans, il y avait toutes des enfants, là. Mais c'est ça, je veux dire... La... Genre, ma grand-mère est enceinte à 15 ans, okay, comme... OK, Joe Blow, là. Je connais la société, je comprends, mais je veux dire aussi, aussi que la société nous permet de se oui. tromper et de revenir. De oui, partir. Parce qu'on est élevé dans la Watt, là, au Québec, là. Tu sais, on parle du Québec, là. On s'entend que tu vas en Asie, c'est genre pas par toutes les mêmes statistiques, mm-hmm. là, mais comme on est élevé dans la Watt, puis on aime bien ça, être un petit peu bigoté, qui reçoit son chocolat ouais. chaud par maman parce qu'elle est rentrée, puis elle s'en faisait un, puis elle s'est dit, m'a t'en donné un, toi aussi? Mm-hmm. Ouais, non, je suis bien d'accord. Ouais. Tu sais, je parle pas de l'expérience vécue, là. Non. Ma mère, elle boit pas de chocolat chaud. T'avais hâte de faire quoi, toi, quand t'étais... Tu sais, quand t'étais jeune, on se disait tout, j'ai hâte de plus vivre ici pour faire... On le criait. Moi, je le criais. C'est pour ça que je vous dis ça. On le criait violemment. J'ai hâte de m'en aller pour faire. Ouais, quand ta mère a chicané, puis mm-hmm. t'avais juste hâte de sacrer ton cœur. Ouais. Moi, j'avais hâte de vivre en appartement. OK. Ouais, vraiment. Comme depuis très longtemps, j'avais hâte de comme décorer mon appartement. Et j'ai réalisé que c'est pas ça la vie, là. Comme tu vas en appartement, puis tu le décores pas, parce que t'as pas le cash pour. Mais oui, j'avais hâte de ça. J'avais hâte ben, d'être comme. Indépendante, mm-hmm. de découvrir c'est quoi les bars, puis tout. Tu sais, l'inconnu, là. Ouais. L'inconnu de comme ça a l'air donc bien le fun. Mais c'est encore ça maintenant, là. Ça changera jamais. Non, c'est vrai. C'est encore ce que je connais pas maintenant. Ça t'attire. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis, clairement, je connaissais pas la biologie, mais j'avais hâte de vieillir parce que selon moi, en vieillissant, j'allais être rousse avec les yeux verts. C'est de même, ça marchait. OK. Ouais. OK. Ben, rousse, je veux dire, c'est une option. Les yeux verts, c'est un peu plus complexe. Ouais, au moins, je voulais pas être haïtienne. Ouais, c'est là. C'est comme, j'étais quand même proche de ouais. l'eau c'est où je partais. C'est possible. Là. C'est ça. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Toi? Moi, j'avais hâte de manger de la ballonnée à profusion. Moi, il y avait beaucoup de choses, en fait, au niveau culinaire que j'avais hâte. Parce que moi, quand j'étais une enfant, je pouvais passer comme 3-4 heures assise à la table parce que ma mère me laissait pas sortir de table parce que j'avais pas fini mon assiette. Pour vrai? Puis à chaque fois, j'étais comme, quand je vais être plus vieille, je vais manger ça, je mangerai pas ça, blablabla. Donc, ouais, manger de la ballonnée, pas manger de carottes, manger du dessert, manger des bonbons. Manger tout ce que je veux n'importe quand. Fait que ça, j'avais hâte. J'avais hâte de pouvoir me coucher à l'heure que je voulais sans me faire chicaner. Ouais, ouais. Maintenant, si je peux me coucher à 8 heures, je suis fière c'est de moi. C'est ça, hein, c'est fou. Ouais. Mais sans être fière de toi, t'es contente. Ouais. Si tu peux te coucher à 8 heures parce que t'as le temps, là, comme. Ça arrive vas-y. Jamais, en fait, mais non. quand ça arrive, je suis contente. J'avais hâte de pouvoir changer de nom. Moi, je vais m'appeler Annabelle. Ah, comme la poupée. Non, 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 ben oui, non, parce que je connaissais pas encore ce film-là, mais j'avais pas le droit d'écouter ça. Okay. Non, plus comme Annabelle des Baby Spice. Ça, là, j'ai tellement trippé, j'avais la cassette. C'était et je incroyable. La mettais non-stop. Cette cassette-là, puis la cassette de Walt Disney, je sais pas si tu l'avais. C'était comme le parc Walt Disney. Non. C'était comme, genre, de la musique, puis se promenait dans le... Genre, à Walt Disney, en Floride, là. J'ai jamais vu. Puis il y avait de la musique, puis je checkais ça, je connaissais tout par cœur. En tout cas, tranche de vie. Fait que, ouais, j'avais hâte d'affaires niaiseuses, en fait. J'avais hâte d'avoir un cellulaire à moi, vraiment. Que, tu sais, comme mes parents n'allaient pas pouvoir le regarder ou que j'étais pas privée dans mes textos. Je vais raconter quelque chose par rapport à ça. Voyons, qu'est-ce que t'as fait avec ton cellulaire? Rien. Ben, en fait, j'ai gossé mes parents très longtemps pour avoir un téléphone cellulaire. Puis il y a une fois, OK, on est allé au magasin de téléphone cellulaire que je ne nommerai pas. Puis, mon père a choisi un téléphone. OK. Mais comme il me demandait, genre, « Ah, lequel tu prendrais? » Puis comme, j'ai tout choisi, là. Puis à la fin, j'ai réalisé que c'était son téléphone, puis c'était pas le mien. En tout cas, ça m'avait vraiment attristé. Ouais. So méchant. Ouais, mais je pense pas que c'était voulu, là. Je pense que ça rendait pas compte. Puis une autre fois, mon père me disait tout le temps, « Si tu mets ton téléphone cellulaire dans le casier, barre la case. » Tout le temps. OK. Puis moi, je l'écoutais pas.
Puis à un moment donné, je me suis dit... À l'école, ça? Ouais. Okay. Genre, j'ai eu mon téléphone. Puis comme une semaine et demie plus tard, j'avais plus de téléphone. Je me l'étais fait voler dans mon casier. Puis ça a pris 2 ans avant que mon père m'en rachète un autre. Parce qu'il m'a dit, genre, ben, tu m'écoutais pas, t'es pas assez responsable pour avoir un téléphone, ben, tu vas attendre. Eh! Ouais, voilà. Moi, tous les téléphones que j'ai eus, je les ai échappés dans la toilette. Fait que. Ah ouais? Ben, c'est sûr, tu passes 80% de ton temps là. Fait comme. C'est sûr que les probabilités sont fortes que ça arrive aux toilettes. Mais ouais. Ouais. Mais toi, c'est quoi le métier que tu voulais faire, tu sais? Genre, quand t'étais enfant, là, que tu disais. Ok, moi, en fait, j'ai toujours voulu être coiffeuse. Ah okay? Ouais? Vraiment. Puis, je m'en rappellerai toujours, en 5e année, même pas 4e année du primaire, ma meilleure amie d'époque, j'avais dit ça. On parlait, là, comme des enfants. Moi, je veux faire ci, moi, je veux faire ça. Moi, j'avais dit, je veux être coiffeuse. Puis, elle m'avait répondu, pourquoi tu veux faire ça? C'est pas payant. Puis ça m'a mon tellement Dieu. Traumatisée. Émilie était donc bien avancée de son âge. Elle avait 9 ans, puis elle connaissait ça. Ouais, elle était comme, je sais pas, élevée comment, là. Mais ouais, elle m'avait dit ça. Puis là, j'étais arrivée à la maison, j'avais dit, maman, je peux pas être coiffeuse, c'est pas payant. Puis là, ma mère, comme toute bonne mère, m'avait sûrement répondu un truc comme, mais c'est important de faire ce que t'aimes, moi, ma chérie. Puis ça m'a tellement resté que, c'est ça. Après, tu voulais après ça, faire des métiers payants. Je voulais, même pas, parce qu'après ça, je voulais être comédienne. La fille avait pas compris, là. Puis là, quand la variable argent a embarqué dans mon cerveau de femme qui vieillissait, j'ai voulu être chirurgienne. Ah. Genre, je vois pas pourquoi, là, comme... J'ai oui, tellement pas, genre, j'ai la bio. Proches, non, non, j'ai tout ça. Je voulais être docteur, je voulais être médecin. Ah ouais. Puis finalement, ben... Il y a pas longtemps, je voulais être avocate. Ben, pour vrai, moi... Puis là, je fais un podcast. Moi, des fois, je me dis, genre, ah, prof au primaire. Professeur, puis, j'aimerais ça. Puis t'étais là quand ma mère m'a dit non. Je te verrais tellement pas oui, prof, je l'ai pris personnel. Je sais que t'étais fâchée. Ouais. Bon. Mais ouais, ça change. Ouais. Toi, tu veux faire quoi en ce moment? En ce moment? Ouais. Ben, le domaine des communications. Mm-hmm. Mais je t'avoue que, comme, j'ai toujours été sûre de ce que je voulais faire, là. C'est sûr, j'ai déjà voulu être comme vétérinaire, là. Tout le monde a voulu être vétérinaire. Moi aussi, ouais. Je voulais être styliste quand j'étais jeune. Okay. Quand j'avais 7 ans, on avait fait une présentation. Moi, j'étais comme, moi, je veux être styliste. Ok. Là, après ça, t'es bonne? Comme, il y a pas si longtemps, je pense, je savais pas ça faisait quoi un styliste. Ouais, mais moi, styliste, dans ma tête, c'était quelqu'un qui faisait des vêtements. Okay. Pas quelqu'un qui stylait des vêtements. Okay. Fait que c'est ça, je voulais faire ça. Puis là, après ça, j'ai voulu, c'est ça, être vétérinaire. Puis après, j'ai tout de suite su que je voulais faire de la communication. Fait que comme ça fait longtemps, là, ça fait peut-être depuis que j'ai comme 10, 11 ans. Moi, je l'ai toujours su, mais j'ai jamais voulu me l'avouer, je pense. Ouais, c'est ça. Mais là, c'est officiel. Mais maintenant, j'aimerais ça, mais en même temps, on dirait que des fois, il y a d'autres domaines qui m'intéressent aussi, connexes. Je sais pas. Ouais. Mais je me dis, je suis pressée, j'ai hâte de faire ce que je veux faire, puis comme j'ai hâte de m'établir dans ma vie. Mm-hmm. Mais en même temps, si ça arrive demain que je m'en vais... Je sais pas, pétrir du pain puis que je trippe ma vie, ben ça sera ça ma vie, tu sais. Je deviendrai pétrisseuse de pain professionnelle. Et non boulangère, vraiment pétrisseuse. Oui, ça sera ma seule tâche. C'est plus précis. Mm-hmm. Mais ouais, non, moi, je suis pas pressée de trouver mon métier. Je pense que mon père l'est plus que moi. Mais nos parents sont de même. Moi, je me souviens, ben en fait, pas je me souviens, encore à ce jour, quand je parle à mon père de comme, ah ouais, communication, mm-hmm. et comme, ouais, vraiment, tu pourrais venir porter ton CV, parce que mon père travaille dans des bureaux. Ben, mm-hmm. pas des bureaux, mais il y a des bureaux, là, dans une grosse compagnie de pétrole. Puis il dit, ah oui, je pourrais te faire rentrer, tu sais, tu pourrais travailler pour la ville. Moi, je suis comme, je veux pas travailler pas pour la ville, c'est pas même, ça que je veux, là. Mais t'sais? Je pense que nos parents, surtout par rapport à ce domaine-là, nos parents ont peur. Ben, c'est parce correct, que, parce que moi aussi, j'ai peur. Je pense que maintenant, aussi, il y a une différence entre nos parents puis nous. Mm-hmm. Je parle pour la majorité des parents que je connais, où mon père, il fait pas un métier qu'il a voulu faire. Il a fait un métier que ça a donné, qu'il pouvait faire avec le niveau de scolarité qu'il avait. Ma mère fait un métier qu'elle voulait faire, mais ça a pris du temps. Mm-hmm. Puis tu sais, comme nous, maintenant, on a la liberté, puis on a l'accès souvent à l'éducation que... Puis on a le temps de se tromper, c'est ça. On a plus le droit de faire ce qu'on veut faire, contrairement à nos parents. Fait que je pense que c'est là que ça fait un petit clash, que genre, ton père, il a toujours voulu être joueur de baseball, mais il est devenu banquier, puis c'est ça sa vie, tu sais. Ouais. Mettons, là. Ouais. OK. Je vois ça de même. OK. Quand est-ce que t'as eu un reality check, un petit clash, là, que t'as fait comme « boy, je suis adulte » Moi, c'est un peu banal. Ben, c'est sûr que le moment où j'ai quitté la maison de mes parents pour aller en appartement, c'était quand même un gros move. Mais il y a une soirée où j'ai eu une discussion avec ma coloc de papier de toilette. Genre, oh mon Dieu, il est vraiment plus épais, hein? Ouais, vraiment, je l'ai acheté, j'aime mieux celui-là, ouais. Puis en plus, ça venait avec plein de paquets. Genre, on capotait, là. Puis là, après ça, j'ai réalisé, ouais, vraiment, on est des adultes. Genre... Fait que quand t'as eu une conversation vraiment plate sur un sujet plate. Mais toi, tu penses-tu que tu vois une différence entre toi adulte puis toi enfant?
Parce que ce que je veux dire par ça, là, c'est que... Parce que je suis comme, oui, je suis plus grande, j'ai pris du poids. Mais je veux dire, moi, j'étais sûre quand j'étais jeune, je sais pas comment mettre des mots là-dessus, mais que quand j'allais être une adulte dans ma tête. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, en ce moment, je sais que selon mon âge, selon la biologie de la chose... J'ai la même mentalité, je suis là, une adulte. C'est ça. Mais je sais que je suis pas une adulte, là. Mais comme... moi, je pensais que tu devenais un adulte ou comme tu deviens un parent puis tu deviens genre une autre personne. Ouais. Tu sais, vraiment. Puis que tu sais surtout quoi faire. Mm-hmm. Tu sais, moi, en ce moment, des fois, honnêtement, si mes parents étaient pas là, comme il y a tellement de choses que je sais pas faire encore, je considère pas que je sais me faire de la bouffe, ouais. Malheureusement. Je sais pas faire mon budget. Je sais pas miser à la bourse. Je sais pas faire des investissements. Il y a tellement d'affaires que je sais pas. Tout ce qui est genre... Il y a des affaires que je saurais jamais, là. Je pense pas que je vais comprendre la mécanique d'une voiture un jour. Gouvernemental, ouais. Ou genre que t'apprends pas à l'école, en fait. Que t'apprends pas à l'école. Ouais. Genre tout ça. Je connais le théorème de Pythagore. Mais oui, vraiment. Je sais pas c'est quoi les papiers que j'ai besoin pour faire mes impôts, là. Ouais. Comme c'est mon père qui s'en occupe, puis s'il le fait pas, ben ils seront juste jamais faits. Tu pourrais peut-être sortir un petit théorème à ta comptable, puis comme ouais, voir ça. Si ça marche. Fais 3.1416. Tu t'en souviens-tu? Puis c'est 3.1416. Non, mais tu te souviens-tu du théorème de Pythagore? Ouais, là, à 2, c'est 2. Ah ouais, égale, moi, genre, je me souviens plus de ça, là. Ça, puis mes cours d'espagnol. Moi, je m'en souviens parce que c'est la seule affaire que j'avais compris cette année-là. Mm. Tout le reste, j'étais perdu. Ben moi, je... Et j'ai passé. Tout le reste, je m'en souviens plus. En tout cas, tout ça pour dire que, regarde, il y a des trucs que t'as pas. Je pense pas qu'on est jamais prêt à faire comme là, je suis une adulte. Mais c'est comme quand on va être parent, j'ai l'impression que... Ça s'apprend à être parent au fur et à mesure. Ouais, mais moi, je sais pas. Tu réalises... Ben en fait, j'ai réalisé en vieillissant que tu deviens pas une autre personne, genre avec toutes les connaissances, puis comme tu restes comme, je sais pas, un enfant un peu tout tes le temps. Tes goûts changent, tes goûts évoluent, ouais. Mais... Ouais. Tu restes. Puis toi, c'est à quel moment que t'as eu le « Hey, je suis plus un adulte. Je suis plus un enfant. Moi, je suis vraiment devenue une adulte. » T'as-tu eu un moment déclencheur? Non. Pas encore? Non, mais il y a plein de choses, là. Je veux dire, il faut que je fasse mon lavage. Mm-hmm. Le fait que... OK, non, c'est pas vrai. Depuis quelques temps, okay. Je dirais 2 mois, donc c'est très récent, je fais genre des épiceries. Mm-hmm. Pour m'acheter rien de sérieux, là, genre du ballonné, du pain blanc. Mais juste le fait que c'est comme un peu une routine dans ma vie d'aller à l'épicerie, je me sens tellement responsable. Et comme je m'alimente, pas bien, ouais, mais je m'alimente. Au moins, j'essaye. Ouais. Ben, d'ailleurs, par rapport à ça, parce que nous, on a comme discuté autour d'une table que... Il y a un moment dans la vie où tu réalises que être un adulte, ça, c'est pas tout à fait la même chose qu'être un enfant. Mm-hmm. Tu fesses un mur. Il y a un 18 roues qui te passe dessus. Un esti de mur. Il recule, il revient, ouais. Puis tu fesses un mur. Puis nous, on a choisi comme 5 éléments ouais. Chacun mm-hmm. de comme moments où tu. Ben, en fait, pas des moments, mais ce que tu. Des réalisations c'est que tu ça. Fais de comme. Okay, merci, ça allait pas bien adulte. Là. J'ai repris. J'ai vu la balle, là, puis je l'ai catché. Ouais, vraiment. Mes cours de français, non. Ouais, donc on a fait une liste. Ouais. Tu vas pouvoir commencer d'ailleurs. Okay. Des éléments qui font de toi un adulte. Oui. Ben, en fait, une réalisation, moi, que mm-hmm. j'ai eue en étant adulte, c'est que être une adulte, ça coûte cher. Oui. Oui. Genre, la vie coûte cher. Ça coûte cher, pas parce que, genre, je fais des voyages. Non, non. Ça coûte cher parce que je paye mon permis. Je paye des assurances. Je paye des affaires que, comme, je lance cet argent-là puis je vois pas les retombées. Je pense qu'il y a rien de plus insultant que de payer quelque chose puis tu le vois pas, genre. Tu sais, mettons, quand je paye mon ballonné, mm-hmm. là, ben je le vois et je le mange pendant 2 semaines. Mais payer mon permis, là, ouais. Je paye un papier, ouais. C'est n'importe payer quoi. Payer des impôts, ben là, moi, j'en paye pas, personnellement. Moi, personnellement, j'en paye. J'aime pas ça. Mais tu sais, des affaires de même, ouais. Là, ou que tu vois pas, mais juste des produits d'adultes. Acheter des serviettes sanitaires, acheter du papier de toilette, acheter, genre, des produits ménagers, ça coûte cher, puis c'est comme pas le fun. Je veux dire, je trippe un peu sur le papier de toilette, là, j'ai avoué ça tantôt, mais je veux dire, c'est pas quelque chose que je suis fière puis contente d'acheter, là. Mais c'est pas une dépense que c'est, tu sais, tu dis pas, « Ah, aujourd'hui, je vais aller faire des commissions, je vais m'acheter un jean, un chandail, puis... Mais une coloration à cheveux. Tu vas le réaliser, probablement, quand tu vas aller en appartement, là, mais le moment où, comme, faut que tu fasses ton trousseau, comme acheter du détergent, ouais. Acheter du vinaigre, genre comme de la petite vache. T'as pas le goût d'acheter ça, non, là, mais c'est de l'argent. Non, mais des fois, moi, je suis encore chanceuse. Chanceuse. Je suis chanceuse, j'habite avec mon père. Ouais. Mais tu sais, mettons, des fois, quand il n'y a plus de Tide, là, ouais. Là, je veux faire mon lavage. Tu vas l'acheter. Mais je vais aller l'acheter moi-même, tu sais, parce que comme je suis une bonne personne. C'est ça.
Puis ça me purge. Mais je n'aime pas ça. Parce que tu n'as pas calculé ça dans ton budget, non. Là, que tu avais besoin de laxatif. Tu sais, genre le nettoyant en comptoir, là, ouais. Que d'ailleurs mon père utilise beaucoup trop souvent. Le bon ami. Le bon ami, pour ne pas le nommer. Comme, ça fait chier acheter ça, là. Ben oui. Ouais. Mais c'est ça. Ben, okay, ça coûte cher. Tu réalises ça. Ouais. Ouais, bravo. Être un adulte, ça coûte cher. Mm-hmm. Tu réalises que tu deviens responsable de toi-même. Ou pas. Ça, non, mais c'est vrai, ou pas. Mais tu sais, il y a un moment où, comme, t'as bien hâte là, d'avoir des libertés. Mais liberté vient avec responsabilité. Et responsabilité vient avec une envie de chier profonde. OK? Parce non, que. Mais oui, c'est vrai. J'aille ça. T'as hâte d'être libre. Tu sais, quand t'es jeune, t'es comme, oh, moi, quand je vais être grande, je vais être libre. Mm-hmm. Mais tu réalises que plus tu vieillis, plus t'as de responsabilités. Puis dans le fond, plus t'es libre sans mm-hmm. être libre parce que t'es comme attaché à 25 millions d'affaires à faire. Prendre des rendez-vous chez le médecin. Genre, c'est toi qui le fais maintenant, là, t'appelles plus ta mère. Moi, des fois, je le fais, je l'avoue, là, j'appelle ma mère, puis je dis, tu peux te prendre un rendez-vous, mais... Même l'autre fois, j'ai appelé un magasin pour lui mettre quelque chose de côté. À moi? Oui. C'était quoi? Ah oui, c'est vrai, oui. Moi, j'ai de... j'ai de la misère avec ça, j'ai ça. Ouais. C'est comme... c'est pas les facultés de l'adulte que j'ai le goût d'avoir. Non, mais je te comprends. Ça fait 6 mois que ma télé est brisée. Mais ça... j'avais le Vidéotron, puis je l'ai pas faite. Comme quand il a fallu que j'appelle Hydro-Québec, puis ça m'a pris genre 6 mois pour... Parce qu'ils me devaient de l'argent, mais c'est comme... ça, je m'en allais briser. À noter qu'il fallait qu'elle appelle pour recevoir de l'argent. Ouais. Mais ça, j'ai repoussé, ça. Ouais. Là. Mais juste prendre un rendez-vous chez le médecin, on n'en prend plus, là. Non. Les deux, on est les peu là-dedans, là. Comme, on a des trucs, là, puis comme... L'autre jour, j'ai réalisé, j'ai voulu prendre un rendez-vous avec mon médecin de famille, puis j'ai réalisé que j'avais plus de médecin de famille parce que ça faisait 10 ans et plus que j'étais 10 pas ans? 10 ans. Mais ça, il y a eu un moment où tes parents étaient irresponsables parce que t'avais comme 14 ans, là. Ouais, mais... c'est de votre faute. J'étais en pleine santé, je sais pas quoi te dire. Mais ouais, c'est... T'as bien raison. Prendre des rendez-vous de tout, de toutes sortes ou juste appeler ou comme Moi, une information. Je pensais que j'allais être comme une personne à part entière, une adulte, qui allait prendre soin de moi puis que mes parents allaient m'appeler parce qu'ils s'ennuient de moi. Puis je réalise que c'est moi qui les appelle tout le temps. Je pense que je les ai jamais autant appelés puis j'ai jamais eu autant besoin d'eux que depuis que j'ai des problèmes d'adulte. Je te comprends. Moi aussi, je les appelle pour n'importe quoi. Combien de temps faut que je fasse cuire un œuf pour qu'il soit bouilli dur, là? Bouilli dur. Clairement, Ricardo. Clairement, j'ai des connaissances. C'est comme la phase entre un œuf à coque puis un œuf poché. C'est ça. C'est bouilli dur. Bouilli dur. tu réalises que ton cercle d'amitié diminue. Mm. Ça, c'est sûr que pour l'instant... Pour le mieux, souvent. Ben oui, mais des fois, c'est involontaire. Ouais. Comme, c'est pas nécessairement des amis avec qui tu t'entendais pas bien. C'est juste que ça donne que vos vies se séparent parce que vous prenez pas le même chemin, tu sais. Puis on dit ça, puis on a 20 ans, là. Ça va être quoi quand on va avoir des enfants, puis 40 ans? On va avoir toi, puis moi. Non, mais c'est pas tant non plus que, tu sais, vous vous entendez plus comme tu dis. C'est juste que t'as comme plus le temps ou comme tout combiné des affaires. C'est une question de temps. À un moment donné, faut que tu laisses des affaires de côté, puis... C'est triste, mais tu sais, je sais pas si t'as déjà vu sûrement là, le mime, là, genre comme des amis qui essaient d'organiser une soirée, puis comme les trous d'horaire, ça fit pas, puis sont comme « bon, mais on se voit dans 10 ans ». Ben c'est un peu ça, là. C'est vraiment ça, en fait. Tu sais, avant, là, je voulais jouer avec Sophie, ben j'allais cogner chez eux, puis on passait notre soirée, on jouait au Total Space, là, genre comme... C'était ça, la vie, là. Ouais, parce que t'avais pas de responsabilité. Non. Tu faisais ce que tu voulais, quand tu voulais. Ouais, maintenant, quand je vois mes amis, on se dit « Ah, on faudrait vraiment prendre un rendez-vous chez le médecin. » On parle d'impôts, on parle d'économiser. Ouais. On est vraiment rendu plat. C'est de la merde. Ouais, vraiment. décorer une maison, ça prend du temps. Et de l'argent. Et de l'argent. Je l'ai dit tantôt. Moi, je pensais qu'aller en appartement, ça allait faire de moi une fille qui a un appartement Pinterest. Ouais, c'est ça, que t'allais juste pouvoir faire des DIY à toutes les fins de semaine, puis mais changer de couleur. J'avais plus jours. Un appartement armé du salut. C'était plus ça, vraiment. Là. C'était plus c'était comme... blanc puis sale. Oui, c'était épuré, vraiment. Ouais. Mais rempli d'impuretés. Voilà. Et voilà. Fait que, tu sais, à un moment donné, pour vrai, avec 100$, t'achètes quoi? Genre une chandelle, une plante, un coussin? Ça coûte cher en esti. Il y a des coussins plus chers que ça, là. Des coussins, là, ça coûte vraiment cher. Moi, chez nous, quand je vais déménager en appart, il n'y aura pas de coussins. C'est pas là-dessus ma priorité. Il va y avoir comme des chandelles, il va y avoir des petits bibelots. J'ai tellement hâte. J'ai vraiment hâte de déménager pour avoir des expositions d'affaires là, que mon père veut pas que j'expose. Des ramasses poussières. Oui, genre des pierres précieuses. Ou genre des animaux en verre soufflé ou comme des trucs de même.
C'est vrai, parce que pour ceux qui n'ont pas écouté les autres podcasts, Corinne nous a annoncé qu'elle avait une collection d'animaux en verre soufflé. Oui. Et j'ai hâte de les exposer dans une bibliothèque vitrée. T'es mieux de t'acheter un Swiffer, hein, ouais, parce que tu vas voir, ça ramasse la merde. Ouais. J'ai... Oui, c'est ça, pardon. Excusez-moi, mon Dieu, j'étais donc bien perdue dans la conversation. C'est pas tout le monde qui est gentil, tu réalises ça en vieillissant. Vraiment. Qu'il y a des gens qui vont profiter de toi, puis que c'est pas vrai qu'à la fin, le méchant devient gentil, puis il se marie avec la princesse. C'est pas le même sens. En fait, je veux pas être négative, là, mais plus les journées avancent, et plus souvent, là, je viens à la conclusion de comme... Maudit que l'humain est méchant. Non, mais pour vrai, ouais. Je veux pas être la grosse négative, la moralisatrice. Ben, on le voit en ce moment. On le voit, justement, juste ce qui se passe avec le corona. Comme... Puis c'est rien d'intense, là. Moi, je fais une petite parenthèse, là. Mais ça va être quoi quand ça va être quelque chose... Ben, en fait, peut-être que j'ai pas d'informations. Parce que, tu sais, pour vrai, ça a l'air intense, là, le gouvernement, tu sais, il arrête l'école et tout, là. Ça peut non, être intense, mais... Non, mais dans tous les cas, je veux dire, il y a pas une bombe qui va nous tomber dessus non. dans deux minutes, c'est là. Pas une attaque de zombies, là. Non, comme... Puis les gens agissent comme ça, là. Mm-hmm. Fait que dans la vie en général, tout ça pour dire que no matter what, même si les gens sont gentils, puis tu t'entends bien, puis tu sais... Tout le monde a un fond, là. Tout le monde a un fond de comme si on a sauvé leur cul, que ce soit dans une situation comme le coronavirus, ou dans une situation au travail, ou dans une situation dans la vie personnelle, ou peu importe, ils vont se faire passer avant, là. Mm. C'est triste à dire, pour vrai. Ouais, mais vraiment. C'est ça. Non, mais c'est ça. Tout ça pour dire que comme... Les gens sont méchants. Ouais. Barrez vos portes. Voilà. Mais c'est à toi, Corinne. C'est à moi? Ouais. OK. Alors, qu'est-ce que j'ai écrit ici? J'ai écrit que, premièrement, une réalisation que j'ai faite, que j'en viens à l'évidence. Ça me tente pas, mais je vais vous dire que c'est vrai. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, là-haut. C'est la phrase que j'haïs le plus au monde. Mais c'est vrai! C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Comme une journée, ça ajoute 24 heures, puis j'essaye de trouver plus d'heures, ça ajoute 24 heures. Puis si tu te lèves à midi, une heure, deux heures... Comme tu perds ta journée. Tu perds ta journée. Ouais. Tu perds ta journée. Expression d'adulte en chef. J'ai perdu ma journée aujourd'hui. Ouais. Mais c'est vrai. Ouais. C'est pas facile. Puis c'est pas parce que tu te ramasses dans un dilemme de comme... Est-ce que je me repose puis je recharge les batteries? Ou comme j'en profite pour faire des trucs que j'ai besoin de faire? Mais tu sais quoi? Ça m'amène à un autre de mes points qui est la fin de semaine, c'est deux journées dans ta semaine, non pas pour vivre ta vie, explorer, faire des activités. Non, c'est deux journées pour rattraper soit tout ce que t'as pas eu le temps de faire pendant ta semaine ou recharger tes batteries pour la semaine suivante. Parce que laisse-moi te dire que quand tu travailles toute la semaine, là t'arrives la fin de semaine puis tu décides de vivre ta vie parce que t'es une jeune femme revigorée puis t'es pleine d'énergie, le lundi matin, t'as l'air d'un déchet. Tu décides d'aller prendre un verre parce que c'est la fête à Gino. Okay? Puis là, tu meurs pendant deux jours puis ta semaine est difficile. Là. Puis là, tu traînes cette fatigue-là toute ta semaine. Ouais. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Puis encore là, je vais ramener le fait qu'on a 20 ans. Oh, ben, on n'a pas 20 ans, mais on est dans la vingtaine. Ouais. Mais ça va être quoi quand on va avoir 50 ans? Genre, non, on pourra pas prendre un verre, là. Ça va être de l'eau Perrier en permanence. Moi, je dis bonjour et je dis bravo à tous ceux qui ont des enfants. Et moi, le samedi matin, là, s'il y a un petit mongol qui me réveille en criant pour faire « Maman, joue au camion! » À genre 6 heures le matin, c'est sûr, je le mets dehors. Mais je suis vraiment d'accord avec toi. Des fois, je vois comme des Instagram stories de gens qui ont des bébés qui sont comme « Oh mon Dieu, elle a tellement été gentille, elle s'est levée à 7 heures ce matin au lieu de 5 heures. » Puis je suis genre... I can't do that. Je me suis jamais levée à 5 heures volontairement. Non. Parce que j'ai rien à faire la fin de semaine. Non. Fait comme impossible, impossible. Par contre, être adulte, de selon ce que j'entends avec le monde, là, c'est qu'il y a comme une notion qui s'appelle l'horloge biologique qui arrive à un moment donné dans le processus. Ben, ça nous a fait ça un peu quand même, là, je pense. Qu'est-ce non? ça? Toi? Ben, j'ai hâte d'avoir des enfants, là, pas toi? Non, pas une horloge biologique d'avoir des enfants. Ah. Une horloge naturelle, là, de tu te lèves... Je pensais avoir aussi, un enfant. Non, moi aussi, j'ai hâte d'avoir des enfants, même s'ils vont se lever à 4 heures. Je pensais que t'allais m'insulter comme ma mère qui m'a dit que j'allais pas être prof au primaire. Non! Je l'ai pris personnel. Non, mais je parle que jamais dans ma vie, je crois que ça va être naturel, puis que je vais me lever le matin et faire... je me suis levée à 5 heures le matin, je pouvais plus dormir. Moi, là, si je mets pas d'alarme, là, je peux dormir à la vie, à la mort. Moi aussi, je pense. Mais toi, c'est pire. Toi, c'est dangereux. Ouais. Corinne, quand elle dort, elle tombe dans une transe, puis il y a juste comme une explosion qui pourrait la réveiller. D'ailleurs, je sais pas, si, là, je ramène ça un peu loin, mais je sais pas si vous avez vécu le tremblement de terre. J'en parle tout le temps. Moi, ça m'a réveillée, OK? Moi, j'ai jamais eu conscience. Et Corinne n'a pas bougé un cil. Comme... Non. Zéro.
Ouais. Ouais. Fait que, alors voilà, la fin de semaine, reposez-vous, parce que sinon, la fin de semaine, on dirait que vous allez avoir la face de quelqu'un qui a passé dans la laveuse toute la fin de semaine. Puis tourner, tourner, tourner. Ouais, parce qu'avant, la fin de semaine, c'était genre aller au glissade d'eau. Non, la fin de semaine, c'était comme, on se pète la face le vendredi, on se pète la face le samedi, puis on va prendre un verre pour finir ça en beauté le dimanche. C'est con. Je peux pas faire ça, là. Avant, là, comme, je travaillais dans un restaurant déjeuner, et le nombre de fois où je me suis couchée, genre, à 4 heures du matin. Puis tu travaillais? Je travaillais à 7, t'étais là. Correct, là? Non, mais j'étais correct, mais genre, semi, là. Mais je veux dire, je peux pas faire ça aujourd'hui, là. Je fais ça, là, comme, je colle malade, je rentre pas travailler. Ouais. Pour vrai. Je suis vraiment rendue ma tante, je pense. T'es faible. Mais ça, on le savait déjà. Ça venait du fond du cœur. Arc! Je suis comme ta mère, en fait. Ouais, c'est ce que tu m'haïs. Autre point, c'est que c'était bien le fun d'aller à des rendez-vous de médecin quand t'étais au secondaire ou à l'école. Hey, le biais du médecin. Le biais là. De médecin. T'es fière de l'amener quand t'en as un pour vrai, là. Puis là, oui, c'est ça. Puis là, tu dis à tes amis, bon, mais moi, je m'en vais, ma mère vient me chercher. Puis là, on s'en allait au médecin, puis tu manquais de l'école, c'était malade. Maintenant, là. Quelqu'un qui a un horaire de 8 à 5 la semaine, lundi au vendredi. C'est parce que c'est qui, le Joe Blow, en hein, quelque part, qui a décidé que tout ce qui est gouvernemental, les banques, les médecins, les dentistes, toutes ces affaires-là, il y en a pas un tabarnane qui reste ouvert plus que genre 5 heures ou 6 heures. Fait que no matter quel rendez-vous tu veux prendre puis comment tu veux organiser ta vie, faut que tu prennes comme une journée de vacances ou une journée de reprise ou peu importe, faut que tu t'arranges pour aller faire tes rendez-vous. Fait que ta journée de vacances, là, c'est pas comme toi qui te fais griller à Cancun. C'est genre toi qui t'es cédulé comme heure après heure, comme le dentiste, l'optométriste, le rhino, la laryngologiste, tout ça, là. Journée de merde. Ouais. Mais je comprends pourquoi c'est long, ces rendez-vous-là, parce qu'il y a juste les vieux qui peuvent y aller. Oui. Fait qu'il y a juste des files de vieux, puis là, il y a 2-3 personnes qui ont réussi à caler malade. Ouais, c'est ça. Pis genre, être là, là. C'est vraiment tough à aller à un médecin. C'est pour ça que je parlais depuis 10 ans, non? C'est ça. À 14 ans, là, elle avait pas le temps de rater de la job. J'ai aussi, je vous confirme, en fait, pour tous ceux qui se demandent, peut-être qu'il y en a qui nous écoutent qui sont encore au secondaire ou quelque chose. Mm-hmm. Ce que vous apprenez, là, tout ce qui est théorème de Pythagore, les graphiques X, Y, W, B, c'est inutile. Ça, c'était un graphique. Oui, c'est inutile. Ouais. C'est inutile. Il y a rien de ça que j'utilise. Ouais. Mais je sais pas faire mes impôts. Je sais pas miser à la bourse. Je sais rien faire de tout ce qui me rapporterait de l'argent, en fait. Moi, en science, j'ai appris tout le matériel scientifique. Et maintenant, je n'utilise pas ça nulle part. J'ai jamais sorti le mot « bécher » dans une conversation. Non. Ça arrivera pas. Non. Fait que je comprends pas. Mais je pense que, comme j'ai vu dans mon cours de psycho... The brain, right here. Bonjour. Les connexions neuronales... Ben, clairement, j'ai pas assisté au cours. Neuronales ou neurologiques? Neuronales, parce que les connexions dans ton cerveau, ben, ils se défont après un certain temps. Fait que ce que tu as appris puis que tu n'utilises pas, ben, tu l'oublies. Genre, ça n'existe plus. Bon, ben, laisse-moi vous dire qu'il y a d'espoir. Bien des affaires que j'ai oubliées. Mes hémisphères se sont refaits d'autres connaissances. C'est ça, genre, comment chier en 3 minutes? Ouais, c'est ça. C'est ça, maintenant. Ça, c'est dans mon cerveau. Et finalement, je veux dire, on va être honnête ici, là. Quand même, assez fréquemment, il y a la pensée dans ma tête de comme, peut-être que je pourrais vendre la drogue. Peut-être que... Je pourrais, moi aussi, devenir danseuse, puis comme travailler 3 heures semaine, faire la palette, puis vivre ma vie. Ouais. Je peux pas te dire que ça me traverse pas l'esprit des fois. Ouais. Mais en même temps, je pense qu'ils travaillent fort, ces gens-là. Je dis pas qu'ils travaillent pas fort, mais je dis qu'eux autres, ils ont compris comment ça fonctionnait. Ouais. Moi, j'ai pas compris ça. Ouais, parce que tu travailles fort, mais tu fais pas la palette. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Ouais, je comprends. Ouais. Fait que voilà. Non, c'est vrai. On pourrait... Voilà. Fait que c'est pas facile d'être un adulte, là. Non. Puis, c'est pas facile... Parce que souvent, tes goûts changent. Oui. Tu deviens une nouvelle personne. Oui. Puis tu te perds un peu là-dedans. Oui. Puis ça va continuer de changer. Mais tu le réalises comme pas en plus que c'est en train de changer. Y a-tu des affaires, toi, que comme t'aimais pas, puis que là t'aimes ou que t'aimes, puis que t'aimes plus? Que j'aimais pas, puis que là j'aime, ben les produits ménagers, moi, genre, ça m'excite, là. Je sais que j'en ai parlé beaucoup trop souvent à date dans le podcast, mais comme acheter une balayeuse Dyson, que je n'ai pas parce que c'est hors de prix, ce serait mon rêve. T'as-tu acheté ton lit-sol là, pour désinfecter tout ce qui est possible de désinfecter? Je pense que j'en avais chez nous, j'en ai pas acheté. Durant cette période de crise, c'est une dure épreuve. C'est une crise. Non, c'est vrai, c'est une crise. Non, mais c'est vrai, t'as raison. tout ça pour dire que maintenant, me coucher à 8 heures, j'aime ça. C'est... Ouais, ça m'excite. En fait, ça arrive pas très souvent, mais le peu de fois que ça arrive,
c'est un highlight dans ma le semaine. Le pire, c'est que les fois où ça arrive, c'est pas parce que tu t'es programmée pour que ça arrive, c'est juste parce que t'es morte à un certain point dans ton lit. Oui, puis souvent, ça voulait pas dire que t'avais rien à faire. Non! En fait, c'est tout le contraire. C'est ça. Soit c'est une décision assumée que t'as prise, puis tu vas payer le coût après, ou bien t'es juste morte, puis c'est ton corps qui a fait comme Jack, je te laisse pas prendre une décision, ça va être ça. C'est maintenant que ça s'arrête. Les batteries se déconnectent. Right out. Ouais. Mais oui, ça, faire une checklist, genre mettre le petit crochet, ça, j'aime ça maintenant. Sur mes checklists, là, parce que moi, je suis une professionnelle de la liste. Oui, je parle de ça comme si j'avais des talents, mais c'est Corinne, la prof. Ça, la prof. La prof. La prof en cours, tout là. Le temps, on se fait des cours de comment faire des listes. Non, mais sur mes checklists, souvent, quand je fais une liste, j'écris des choses que j'ai déjà faites, juste pour pouvoir les cocher. Mais je pense que t'es pas la seule. Ouais. Je pense qu'il y a une communauté. Je pense que c'est psychologique, là. On s'encourage mutuellement. Ouais, ben c'est parce que tu vois visuellement, tu sais. C'est fait, comme bravo. Ouais. Ça. Sinon, ben, je sais pas, j'aime le jazz. Arc. Mais en fait, je tripe pas. Mais... j'aime pas ça. Non, mais pas le jazz nouveau. Ben, peut-être, en fait. Le chili lounge. Ouais, j'haïssais ça avant, là. Je veux dire, arc, je m'ouvrais les veines. En fait, j'aimais pas les films d'amour avant. OK. Puis maintenant, j'aime ça. Okay. Parce qu'avant, j'étais comme une adolescente, puis l'amour, c'était tellement comme quétaine, puis moi, j'étais tellement au-dessus de ça. Mais puis maintenant. OK. Ouais. OK. Toi? Moi, en fait, j'aimais pas le café. Mm. Maintenant, je peux pas vivre sans café. Mm-hmm. Avant, là, je prenais du café, même parce qu'il fallait que je me réveille à un moment donné, puis je me bouchais le nez, puis je l'avalais comme le plus rapidement possible. À ce point-là? Ouais, je détestais ça. Puis là, maintenant, je suis capable de dire, genre, mais le café est bon aujourd'hui, il est très amer, il est très prononcé comme goût, tu sais, comme... Comme fait... une vraie connaisseuse, là. Ah, clairement, je connais ça. J'ai lâché le Red Bull, je me suis mis au café. Engagez-la, Starbucks, c'est bien. J'aime les nouvelles. J'aime tout le monde en parle. Tu sais, avant, là, quand mon père mettait ça, j'étais comme, oh, c'est lourd, peux-tu le mettre genre ramdam? Ramdam? Ramdam, ouais. Mais maintenant, comme si j'ai à choisir entre la voix et tout le monde en parle, ben je vais m'instruire l'hémisphère, là. Comme... On sait pas lequel, mais il y en a un qui va être instruit. Non, soit le droit, soit le gauche, je sais pas. Non, je suis quand même d'accord. Moi, ça, j'aime ça. J'ai toujours dit que je ne buvais, j'allais jamais boire de l'alcool. J'ai dit ça à ma mère tellement longtemps. Je pense qu'elle a pensé, genre, jusqu'à 22 ans que j'haïssais ça. Là, t'étais vierge de l'alcool? Ouais. Puis finalement, il y a eu un moment où tu découvres des alcools et tu apprécies. Et maintenant, je t'avoue que mettons, je l'aime bien, mon petit verre de vin une fois de temps en temps. Mais c'est comme les sushis. Ouais. Moi, tu m'aurais forcé, là, à la vie, à la mort, à manger des sushis. Mm. Puis maintenant, j'en mange pas parce que ça coûte cher, mais j'aime ça. Les carottes cuites, c'est pas une mauvaise blague ici. J'aime maintenant les carottes cuites. Avant, je pouvais rester à table, comme une pâte de poulet avec des carottes. Ah ouais? Ouais, mais maintenant, j'aime les carottes cuites. Ça rajoute un petit goût de sucré. Je connais rien. Ricardo, avec son œuf bouilli dur. Bien cuit. Bien. T'as dit bouilli dur. Bouilli dur. Voilà. J'aime travailler sur moi-même, c'est quétaine, là. Ouais. Mais j'aime avoir assez l'esprit maturé. Mm-hmm. Maturé, et bobo. Non, mais j'aime avoir l'esprit assez ouvert d'esprit pour réaliser que, genre, il y a une meilleure version de moi-même qui pourrait arriver. Ouais. Puis, tu sais, quand t'es ado, là, j'ai l'impression que t'es cool, là. T'sais, je veux dire... Ben, genre, moi, j'étais vraiment cool, là. Non, mais... tu sais, dans le sens que t'as pas le désir de t'améliorer. Non, parce que tu sais pas que tu pourrais t'améliorer, mettons. Ouais, je comprends. Fait que c'est ça, travailler sur moi-même. Puis, il y a bien des achats que, comme tu dis, là, qu'avant, c'était vraiment plate. Mais maintenant, mettons, acheter des draps, j'aime ça. Ça t'excite. Ouais. Acheter une plante. Quand sont blancs pis propres. Ouais. Des plantes, des rideaux, des bibelots. Quand sont blancs pis propres. Non, mais... Juste là. Moi, j'avais des draps sales. Je sais pas pour non, moi. Non, mais tu veux dire, des draps, à un moment donné, ça s'use, là. T'as bien beau mettre de l'eau de Javel à qui voudra, là. Ouais. À un moment donné, achetez-vous des draps. Il y a des gars qui arrivent, là. Oui. Ouais. Veux-tu élaborer? Corinne qui vaut mieux un Pokéball dans son lit. Mettons, je dirais rien de plus que ça. Ça arrive, tout le monde. Voilà. J'ai dit Pokéball, comme si c'était genre Pokémon, tu sais. En tout cas, peu importe. Ouais. Ouais. Mais... Fait que voilà, fait qu'il y a plein de choses qui changent. Ouais. Et tu sais ce que j'aurais aimé, moi, c'est que on dirait qu'il y a tellement de doutes, puis il y a tellement... J'ai passé par... Tu sais, tout le monde, je dis pas juste moi pour me lancer des fleurs. Mais on a tous passé à travers tellement de doutes puis tellement de périodes de marde pour se rendre là que j'aurais aimé ça que Corinne Petite sache à quoi s'attendre. Reçoive une lettre. Oui, reçoive une lettre. Et là, je vous dis une lettre, mais c'est fou la coïncidence parce mais que voyons. On s'est chacun écrit une lettre.
Est-ce que c'est... Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est arrangé? Il y a une caméra là, là, là? Je ne sais plus. Okay. Est-ce que tu veux commencer avec ta lettre? Oui, mais moi, c'est une très courte lettre. Mais moi aussi, elle est courte, parce qu'à un moment donné, Corinne, 7 ans, n'existe plus, fait qu'on va pas s'éterniser. C'est pas juste ça à faire, là. À un moment donné, Naomi débrouillera comme tout le monde. Ouais, voilà. Bon, je vais commencer par dire bon salut à Naomi. Quand même poli. Ben, tu réalises vraiment pas la chance que t'as en ce moment d'être une enfant, sans responsabilité, les cheveux dans le vent. Oui. Tu vas voir qu'en vieillissant, tout ce que t'avais prévu, ben, ça se déroulera vraiment pas comme ça. Ça sert à rien que t'aies fait une ligne du temps, hein? Que t'aies écrit qu'à 23 ans, t'allais être mariée, que t'allais avoir des enfants. Parce que je te confirme qu'à 23 ans, la seule relation que t'as, c'est celle-là que t'as avec ton sac de chips Lays. C'est la seule. Oui. Puis, ce que t'as le plus près d'avoir un enfant, c'est probablement une TS que t'as jamais soignée. Tu dis ça, mais tu dis rien, là. Non. Même si ça se déroule pas comme tu veux, ben sois pas inquiète, c'est correct, c'est pas grave. T'sais, tu vas vite réaliser que c'est les petites embûches de la vie qui font la personne que tu vas devenir puis que tu veux devenir. Et puis toi, t'as juste à prendre tout ça, faire un beau mélange, prendre les petites miettes, se poudrer un petit peu de bonheur, puis tu vas créer un beau gâteau de la vie. Mais voyons donc! Ouais, c'est juste parce que j'ai faim, là. Ouais, c'est c'est poétique, quand même! Ouais, merci! Bravo! Ben, c'est à toi, les choses. Ok, c'est à moi. Alors, moi, j'ai commencé par dire, ma chère Corinne, tu as 7 ans, et tu veux déjà être une adulte, parce que c'était intense, comment je voulais être une adulte. Ah ouais? Ouais, ouais, comme je voulais pas vivre ma jeunesse. Et je lui dis, c'est parce que tu sais pas c'est quoi être une adulte. Si je pouvais te le décrire, pour que tu puisses te faire une idée, c'est comme la fois où t'as perdu tes parents pendant à peu près 15 secondes à Walt Disney. Mais c'est à répétition, puis ça finit. C'est arrivé pour vrai. C'est arrivé pour vrai. Je les ai perdus pendant 2 minutes, je pense. Puis, honnêtement, mes parents ont vu la fin de leur vie et j'ai vu la fin de ma vie. Ah ouais? Ouais. Puis, t'avais-tu une sœur dans ce temps-là? Oui, mais elle avait trouvé mes parents. OK. Je sais pas pourquoi. OK, vous étiez ensemble? Ouais, on faisait le même manège. Il y avait deux portes de sortie. Fallait que je prenne la mauvaise. Parce que c'est moi. Gaston Lagaffe! tu vas comprendre que le lavage, ça fait pas tout seul. T'as beau croire que c'est la machine qui lave. Mais le pire de faire du lavage, c'est de séparer les couleurs et en plus de ranger le linge propre après. Ça, c'est quand tu le fais. C'est quand tu le fais, parce que des fois, tu fais juste réutiliser ton linge propre. Des fois, tu deviens sale, il faut que tu le relaves. Des fois, tu deviens un artiste, puis tu fais une montagne. Oui, ouais. Ou sinon, ben, tu décides de pas faire de lavage, puis tu vis ta vie commando pendant 2 semaines. Ah, quand même. Ouais. tu vas avoir bien des doutes, mais si je peux t'en éviter un, c'est que, ma belle Corinne, tu seras pas chirurgienne. Change de cassette. Trouve-toi un autre plan, ça arrivera pas. Et aussi, la nourriture apparaît pas dans les armoires, faut que t'ailles la chercher toi-même. Fait que, voilà. C'est quand même pratique à savoir, là. Par contre, il y a des choses qui changeront pas. Ta chaise qui accumule le bordel, elle va rester. Mm-hmm. Tu vas continuer de ne pas t'habiller selon la température, genre moi qui mets des sandales tout l'hiver. Et ben, tu vas trouver que Johnny Depp est encore vraiment beau. Ça, ça changera pas. Fait que conseil d'amis, profite des matins où tu te réveilles en forme, ils seront rares. Apprécie le temps que tu as avec tes amis, parce que ça va être encore possible de passer du temps avec tes amis, c'est juste que ça va prendre comme la police, une organisation, puis comme 3 ans de, d'alignation des étoiles. Tu vas voir, la vie d'adulte, c'est des doutes, c'est des remises en question, c'est de la peine, c'est des moments de joie, c'est des découvertes et surtout des heures de sommeil perdues à tout jamais. Mais si tu gardes ton cœur d'enfant, ça va bien aller. Oh, voilà. Cute. Mais bravo. Voilà. Merci. En espérant que y a des enfants en ce moment qui nous ont écouté, des gens de moins de 18 ans parce que c'est le même ça marche. Hein, oui. De plus que 18. Après ça, il y a quelque chose qui se passe, tu deviens adulte. Qui nous ont écouté puis qui vont prendre des notes de ça parce que on aurait peut-être aimé ça savoir que être un adulte, ben c'est de la merde. C'est de la merde. C'est le message du podcast. Bon, mais en espérant que vous allez être là la semaine prochaine. Oui, parce que la semaine prochaine, on parle d'un beau petit sujet crunchy à souhait, on parle de l'adultère, de la tromperie, mesdames et messieurs. Fait que c'est le temps d'écouter ça pendant que votre chum ou blonde n'est pas là, parce qu'on va vous donner des petits trucs. En tout cas. Merci d'avoir été là, guys. On se revoit la semaine prochaine. Bye! Bye.